Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Rodolphe Richer, je suis directeur des activités à la Chambre de commerce et l'industrie Grand Hénault et je vous souhaite la bienvenue à ce quatrième webinaire présenté par la Chambre de commerce et l'industrie en partenariat aujourd'hui avec mes commerçants du Grand Hénault et qui a pour thème la marketplace, comment gagner en visibilité et augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, pendant les 45 minutes qui vont suivre, nous allons voir ensemble quels sont les avantages pour les commerçants de vendre en ligne, et notamment sur une place de marché comme les commerçants du Grand Hénault. Pour illustrer plus en détail ce sujet, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui trois personnalités qualifiées. Donc, tout d'abord, Nicolas Carelli nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Nicolas est gérant de la boutique sur le trottoir d'en face, rue de la Vieille Poissonnerie à Valenciennes. Et Nicolas donc, nous expliquera comment il a gagné en visibilité et comment, surtout, il a augmenté son chiffre d'affaires grâce à la vente en ligne. Ensuite, nous recevons Ludivine Demarque. Ludivine Demarque est chef de projet numérique à la Serre numérique de Valenciennes et vous expliquera l'importance des réseaux sociaux et vous donnera surtout quelques infos sur les formations indispensables pour être performant sur ces plateformes. Et pour terminer, et surtout pour commencer, Marion Kamerlinck, expert digital au sein de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Hénault, qui vous dira comment développer vos ventes grâce à la marketplace des commerçants du Grand Hénault. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en ligne en faisant afficher le volet questions-réponses en haut à droite de votre écran. À l'issue de la conférence, nous répondrons à toutes vos questions et certaines seront répondues en direct. Et enfin, si vous avez des difficultés à suivre ce webinaire pour des choses techniques, des problèmes de connexion, pas de panique, vous pourrez recevoir, vous recevrez donc à l'issue de ce webinaire un email qui vous permettra d'accéder au replay de l'ensemble de la diffusion. Donc, sans plus tarder, maintenant, je vais laisser la parole à Marion et je vous souhaite un bon webinaire. À tout à l'heure. Donc, merci Rodolphe. Bonjour à tous. Donc, Marion Kamerlinck, experte en développement e-commerce pour la CCI du Grand Hénault. Donc, en effet, je vais vous expliquer pourquoi vous devez adhérer à une marketplace telle que Mes Commerçants du Grand Hénault et quels sont les avantages de la vente en ligne. Alors, j'ai juste un tout petit souci de... Voilà, pardon. Donc, le e-commerce a accompagné le commerce de proximité donc, durant la crise. Ensuite, nous allons voir que le modèle marketplace, c'est peut-être l'avenir du e-commerce. Et puis, nous allons voir le modèle de la marketplace locale, Mes Commerçants du Grand Hénault. Alors, la crise sanitaire a ravivé l'importance du numérique et a accéléré la nécessité d'accompagner les acteurs du commerce. Grâce à la vente en ligne, nombre d'entre eux ont pu continuer à vendre leurs produits pendant le confinement, grâce notamment aux plateformes. Le e-commerce constitue en effet un outil pour les TPE et PME du commerce. Une enquête réalisée par Médiamétrie en partenariat avec la FEVAD a révélé que la grande majorité des cyberacheteurs souhaitent une généralisation de l'achat en ligne auprès des commerces de proximité. Donc, 75% des cyberacheteurs pensent en effet que tous les commerces de proximité devraient proposer la possibilité de commander sur Internet. Donc, le modèle de la plateforme locale a montré toute son importance pendant la période de la crise sanitaire en permettant aux commerces, et en particulier les commerces non alimentaires contraints de fermer l'accueil au public, de maintenir une activité à travers ce canal de vente complémentaire. Donc, favorisant en outre les circuits courts et les achats directs auprès des commerçants, producteurs ou artisans locaux, le modèle de la marketplace ou de la plateforme locale repose sur une consommation responsable que plébiscitent les consommateurs. Les plateformes locales permettent ainsi la promotion des entreprises locales et démontrent pleinement le rôle majeur d'accompagnement du e-commerce pour le commerce de proximité. Donc, je vais vous expliquer les fondamentaux de cette technologie pour que ce nouveau canal de vente n'ait plus de secret pour vous. Donc, sans le savoir, vous naviguez et utilisez tous les jours des marketplaces que l'on peut classer en deux catégories. Donc, les marketplaces de contenu,
qui vous permettent de trouver gratuitement les informations que vous cherchez sans transaction monétaire associée, et les marketplaces e-commerce. Elles vous permettent notamment d'acheter simplement des produits que vous souhaitez vous procurer, mais aussi les services dont vous avez besoin. Donc, vous ne serez pas surpris de savoir que 95% des internautes déclarent avoir déjà réalisé des achats sur ces plateformes. Ces plateformes fonctionnent toutes de la même manière. Elles proposent une offre qui n'est pas la propriété de la plateforme. Airbnb ne possède pas d'appartement, Uber n'a pas de voiture, eBay ne dispose pas de stock et YouTube ne crée pas de vidéos. Cette offre est mise à disposition par des tiers, des professionnels, des distributeurs, des marques, ou bien vous-même, dans beaucoup de situations, en proposant par exemple votre canapé sur le bon coin. Vous contribuez donc à la création de l'offre. Elle rassemble aussi des visiteurs intéressés par l'offre proposée sur la plateforme. Son objectif principal est de fournir une expérience de navigation optimale sans effort, afin de connecter l'offre et la demande efficacement. Afin de mieux comprendre les modalités de fonctionnement, prenons l'exemple d'une marketplace e-commerce de produits. Que se passe-t-il lorsqu'un achat est effectué par un visiteur? Le modèle repose sur une relation tripartite entre la marketplace, un vendeur, un visiteur et un vendeur. La marketplace fournit un environnement optimal pour qu'un visiteur trouve facilement le produit dont il a besoin. Lorsque le visiteur effectue un achat, la marketplace va notifier la transaction au vendeur et lui communique les informations nécessaires pour que la marchandise soit expédiée. La marketplace a mis en contact le vendeur et le visiteur et a accompagné celui-ci jusqu'à l'achat. C'est la différence principale entre un site e-commerce qui vend et expédie ses propres produits, ses propres stocks et une marketplace. Pourquoi ce modèle est-il utile? Parce qu'il est vertueux par nature. C'est-à-dire qu'il permet aux vendeurs d'obtenir une visibilité supplémentaire pour ses produits et donc de créer de nouvelles opportunités et d'augmenter son chiffre d'affaires. Et il propose aux visiteurs une large gamme de produits offertes par les commerces de proximité. Les marketplaces représentent désormais près de 33% des parts de marché dans la vente en ligne en France. Un chiffre qui est en forte croissance d'année en année. Tous les indicateurs sont au vert pour penser que ce modèle prendra à terme la quasi-totalité du marché de la vente en ligne. En résumé, voilà pourquoi c'est important de participer à cette nouvelle révolution. Le e-commerce subit des changements profonds avec l'émergence des marketplaces. Cela va toucher toutes les personnes et toutes les entreprises. De nouveaux produits et de nouveaux services vont être vendus en ligne, car ce modèle permet de le faire sans effort. Donc, que vous soyez un commerçant, un artisan, un restaurateur, c'est vraiment une super opportunité pour vous. Il existe de nombreuses raisons de vous lancer dans cette formidable aventure. Par exemple, gagner en visibilité ou développer une offre de produits ou de services complémentaires. Également, développer de nouvelles compétences digitales, pourquoi pas, et développer votre entreprise grâce à un nouvel outil qui s'offre à vous. Donc vraiment, l'avenir est dans le e-commerce. Ne passez pas à côté. C'est vraiment important, c'est vraiment l'avenir. Donc, pour toutes ces raisons, je voudrais vous parler de la plateforme Mes commerçants du Groenlo. La CCI du Groenlo a mis en place depuis 2017 une plateforme locale, mescommerçantsdugroenlo.com, afin de soutenir et accompagner les commerçants, artisans, restaurateurs dans leur transformation digitale. Donc, Mes commerçants du Groenlo, c'est un seul et même site e-commerce permettant aux habitants d'acheter des produits et réserver des services des commerçants locaux, tout en sécurité, en un seul et même clic et un seul paiement. Donc, Mes commerçants du Groenlo, c'est près de 8000 produits en ligne, près de 150 commerces connectés sur 13 grandes catégories de produits et de services, par exemple alimentation, mode, accessoires, catégorie enfants, bébés, beauté et santé, maison déco, etc. Les avantages d'être sur une plateforme telle que Mes commerçants du Groenlo, c'est une boutique en ligne 7 jours sur 7, l'appui d'une communauté, de nouveaux clients, d'avoir accès à un service de livraison à domicile ou bien le service du click and collect et avoir un support 7 jours sur 7, une équipe
une équipe dédiée, à une équipe qui vous est dédiée. Mes commerçants du Grand Hainaut, c'est également une visibilité. De nombreuses enseignes et de produits se retrouvent en première page et en première recherche sur Google. Mes commerçants du Grand Hainaut, c'est également un catalogue de produits dédiés. Donc, vous n'avez aucune limite ne vous est imposée. Vous pouvez mettre autant d'articles que vous souhaitez. Nous vous amenons une audience de plus de 50 000 personnes sur nos réseaux sociaux dans tout le Grand Hainaut. Donc, je rappelle que le Grand Hainaut, c'est 350 communes dans le Valenciennois, le Cambrésis et la Sambre-Avesnois. Donc, grâce à nous, vous pourrez bâtir votre propre communauté et faire découvrir votre vitrine à de nouveaux clients potentiels. Donc, Ludivine vous en parlera d'ici quelques minutes. Donc, durant le confinement, mes commerçants du Grand Hainaut, c'est un chiffre d'affaires de 52 000 euros, 1 500 commandes, 66 000 visiteurs sur le site, un taux de transformation de près de 2,5%, et nous avons, comme je vous disais précédemment, près de 150 commerçants en ligne. Donc, en résumé, voici les 10 avantages d'adhérer à une plateforme locale telle que mes commerçants du Grand Hainaut. Donc, premièrement, vous pouvez accroître votre visibilité sur le web, sur les moteurs de recherche. Deuxièmement, avoir une boutique en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous disposez d'une solution clé en main et qui est associée également à un mode de transport, comme je vous disais, la livraison à domicile et le click and collect. Vous bénéficiez d'une formation individuelle pour utiliser le back-office. Cinquièmement, vous profitez d'un accompagnement et un suivi personnalisé. Sixièmement, vous disposez d'un outil marketing intégré pour booster vos ventes. Septièmement, vous avez une quantité illimitée de produits en ligne. Huitièmement, l'association, il faut savoir que nous ne prenons aucune commission, juste les frais bancaires de 0,6%. Neuvièmement, vous pouvez bénéficier d'offres spéciales si vous êtes adhérent à une union commerciale et également des conditions particulières selon les communes. Ça, vous pouvez revenir vers nous vous expliquerons plus en détail. Et dixièmement, voilà, en 10 points, vous avez accès à tous ces avantages pour seulement 30 euros par mois. Donc, je vous remercie. Donc, merci pour votre attention. J'espère que ces explications ont pu vous éclairer sur le fonctionnement d'une marketplace locale. Voici nos coordonnées pour nous contacter et nous rejoindre. Et je laisse la main maintenant à Rodolphe qui va reprendre la main et vous parler des autres intervenants. Merci beaucoup. Merci Marion. J'espère que avec toutes ces explications et tous ces arguments, vous avez bien compris l'intérêt de rejoindre une place de marché locale. Mais finalement, qui mieux qu'un commerçant pour finir de vous convaincre si c'était nécessaire. Alors, je vais laisser la parole à Nicolas Chiarelli qui nous fait l'honneur et surtout le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Nicolas est gérant de la boutique sur le trottoir d'en face à Valenciennes. Et je lui laisse la parole pour lui laisser nous exprimer son témoignage et son expérience sur le marché des commerçants du Grand Hainaut. À vous, Nicolas. Merci Rodolphe, bonjour à tous. Donc j'ai rejoint la plateforme Mes Commerçants il y a plusieurs mois, quelques temps après l'ouverture de la boutique qui est ouverte depuis 8 mois à peu près maintenant. C'est vrai que la plateforme a été d'une très grande aide pendant cette période de confinement, puisque comme beaucoup de commerces, j'ai dû fermer les portes de la boutique. La plateforme m'a permis de garder la tête hors de l'eau, puisque j'ai réalisé 2,5 fois le chiffre d'affaires habituel. Donc énormément de commandes. Ma boutique est une boutique de créateurs en fait, donc ce qui permettait d'avoir un large choix de création et de propositions. Et c'est vrai que pendant ce confinement, j'ai eu énormément de commandes à préparer, des commandes qui étaient du coup livrées gratuitement à domicile. Et je pense que ça a été un petit plus par rapport à d'autres sites et d'autres plateformes qu'on connaît tous, comme Amazon par exemple. Donc, par rapport à ma boutique, c'est vrai qu'au début, pour moi, il était hors de question de vendre sur les réseaux, sur Internet, puisque c'est une boutique locale qui prône le local et je ne me voyais pas allier le local avec le digital. Et finalement, la plateforme m'a démontré le contraire, puisque lors de ce confinement, comme j'ai expliqué, j'ai pu vendre énormément sur le Valenciennois, le Cambrésis et l'Avesnois. À ce jour, j'ai récupéré énormément de clients grâce à cette plateforme, puisque tous les clients qui ont passé commande ou qui sont allés visiter la plateforme
viennent maintenant pousser la porte de la boutique, viennent découvrir la boutique. Et ça permet un échange entre commerçants et clients. Et du coup, c'est un gros plus pour moi. Le fait de mettre des produits sur la plateforme, ça a été assez facile, puisqu'on avait j'avais l'appui de Marion, de Clotilde, entre autres de mes commerçants. Et c'est vrai que ça a été un sacré coup de pouce. Et encore aujourd'hui, du coup, je continue à mettre des nouveautés. Alors c'est un peu particulier par rapport à ma boutique, puisque travaillant la pièce unique, j'ai dû dédier un stock à la boutique et un stock au site finalement, ce qui permet de proposer des exclus web et du coup de me démarquer un peu d'autres commerçants qui auraient des produits un peu en grande quantité. Donc voilà, donc après, c'est vrai que la formation dispensée par mes commerçants du Grand Hainaut est très très bien faite, puisqu'on ne vous laisse pas comme ça vous débrouiller, il y a tout le temps quelqu'un qui est derrière vous, vous pouvez appeler à n'importe quelle heure, il y a tout le temps quelqu'un, et ça c'est vrai que c'est un gros plus pour moi. Donc voilà, et puis après je pense que de toute façon le mieux pour vous c'est encore de prendre contact et de rejoindre cette plateforme, et je pense que vous allez pouvoir faire accroître votre chiffre d'affaires. Moi, me concernant, ça me permet, comme je le disais, de proposer des exclus web, mais également de pouvoir mettre en ligne mes ateliers, puisque la boutique propose des ateliers. Ça me permet de gérer les réservations ateliers, aussi de pouvoir mettre en avant des produits qui seraient à réserver, finalement, des clients qui voudraient réserver un produit. Plutôt que de passer à côté d'une vente, je crée systématiquement le produit sur la plateforme. Les clients peuvent la payer et ils sont sûrs d'avoir le produit soit en click and collect directement en boutique, soit livré à leur domicile s'ils font partie du coup des villes dédiées à la livraison gratuite. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour ce précieux témoignage et puis très riche de votre expérience. Comme vous l'avez compris, une marketplace est utile, mais il faut aussi animer sa présence sur le web. Pour nous expliquer les secrets des réseaux sociaux et leur intérêt, je vais laisser la parole à Ludivine de Marc, qui est experte à la Serre numérique, et qui va nous parler de l'importance des réseaux sociaux. Donc, Ludivine, je te laisse la parole. Hein. Bonjour à tous, merci. Merci de l'invitation. Alors effectivement, on l'a dit, Marion l'a dit et Nicolas l'a dit, les avancées du numérique ont permis un essor des médias, dont les réseaux sociaux, et la crise sanitaire a vraiment renforcé cette tendance. Alors on le voit tous les jours, les réseaux sociaux ont même transformé les relations humaines, les comportements d'achat et les usages finalement. Alors c'est bien d'être sur une marketplace, mais on l'a dit, il est nécessaire d'animer et c'est incontournable pour une entreprise d'être présente sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi finalement? Déjà pour augmenter votre notoriété, pour faire connaître un produit rapidement. Ça permet une très large diffusion de vos offres, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est gratuit, en tout cas sur le principe de base. Et puis ça permet également de créer, de fédérer une communauté. Donc de susciter la demande, de créer une curiosité, de toucher des communautés qu'on n'a pas l'habitude de toucher, notamment par le fait des partages. Et puis ça permet aussi de renforcer la relation client, car vous êtes proche de vos clients. Le retour du client, il est immédiat. C'est un canal de communication très direct et qui permet aux utilisateurs de faire part tout de suite de leur expérience du produit ou du service. Et puis l'avantage, en tout cas, qui est très important quand en plus on est présent sur une marketplace, c'est de faire générer du trafic. On sait que quand un produit qui se vend bien, c'est un produit qui est facilité par la communication, la visibilité. Il est donc très important de combiner les deux outils de communication que sont les réseaux sociaux et la marketplace pour une meilleure efficacité. Alors, combiner les deux, pourquoi ? Pour en fait attirer du trafic. La marketplace, c'est votre vitrine et l'objectif avec les réseaux sociaux, c'est de donner l'envie à vos visiteurs, à vos clients, d'aller sur la marketplace et de consommer et donc de convertir des visiteurs en clients. Alors ça y est, vous êtes prêts, vous êtes tous convaincus, vous allez vous lancer. Alors par quoi on commence? Déjà, quelques conseils pour bien vous lancer.
Ne vous dispersez pas. Identifiez vraiment le réseau le plus adapté à votre cible. Il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui qui existent. Il est nécessaire de vous poser la question, quel est le réseau le plus adapté à mon produit, à mes services, à mon entreprise? Il est également, vous commencez déjà par bien remplir votre produit, une belle photo de votre commerce, bien identifier les coordonnées, on va dire, de base. Ensuite, il est important de diffuser un contenu varié, des photos, des vidéos, des photos, beaucoup d'images, si possible de très bonne qualité, avec des vraies photos. Et puis, des recettes, des astuces sur vos produits, des conseils d'utilisation. Évitez le jargon, mettez-vous à la place de votre cible et essayez d'être proche d'elle. Soyez vraiment patient et régulier. On ne crée pas du lien en 2 semaines, c'est comme dans la vraie vie. Il faut y consacrer du temps, c'est essentiel. Faire vivre aussi vos réseaux, avoir toujours de la nouveauté. Nicolas le disait, il a finalement élaboré une stratégie de se dire il y a certaines choses que je publie uniquement sur le web et d'autres uniquement en magasin. L'idée, voilà, c'est de pas mettre vos produits tels qu'ils existent dans votre magasin sur les réseaux, mais vraiment de créer du lien. Et surtout, un autre conseil qui est finalement le plus important, soyez vous-même, soyez authentique. C'est ce qu'on demande, c'est votre page, c'est votre contenu. L'objectif, c'est de créer du lien et c'est comme dans les relations humaines, il faut être vrai. Voilà pour les conseils avant de vous lancer. Pour la plupart des réseaux sociaux sont gratuits, les interfaces sont pour la plupart très facile à maîtriser, mais néanmoins, cela ne s'improvise pas. Nécessaire de se préparer, de se poser la question, quel est l'objectif que je souhaite atteindre? De la visibilité, de la notoriété, développer mes ventes ou juste créer une communauté? Alors, il faut aussi élaborer une stratégie, définir. Tout ça, ça s'apprend, ça s'improvise pas. Et nous, à la Serre Numérique, donc la Serre Numérique, c'est un écosystème qui rassemble des étudiants, des entreprises, des startups, des porteurs de projets, autour de l'univers de l'innovation, de la création numérique et de l'image. On accompagne les entreprises qui sont en transformation dans les commerçants et ça passe aussi par l'appropriation de ces nouveaux outils. Donc, on propose des parcours de formation qui sont adaptés aux besoins de l'entreprise. Et donc, on a mis en place 4 parcours qui peuvent vous permettre d'avoir une vraie démarche stratégique pour l'animation de vos réseaux sociaux et plus largement, une vraie démarche stratégique pour votre plan stratégique pour les réseaux sociaux de l'animation. Donc, 4 parcours. Le premier qui vous permet de maîtriser et d'optimiser votre présence sur les réseaux sociaux. Une deuxième pour améliorer votre site internet pour mieux vendre. Ça, il s'adresse principalement aux entreprises qui ont aussi un site internet pour aborder toutes les notions de référencement, un peu plus technique, on va dire. Et puis, on propose encore 2 autres parcours où là, on va être beaucoup plus sur une approche globale pour mettre en place une stratégie web marketing digital dans son ensemble et surtout évaluer les actions qu'on peut mettre en place. Alors, il y a également bien d'autres formations qu'on peut mettre en place sur mesure à vos besoins, plus courtes, plus longues. Il ne faut pas hésiter à nous contacter sur nos réseaux sociaux, hein, tant qu'à faire. Les coordonnées de la personne qui s'occupe de ça sont juste après. C'est Madame Jadi. Moi, je vous remercie en tout cas pour le temps que vous m'avez consacré et je reste disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Ludivine. Merci pour toutes ces explications. Alors, je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui vous avait été présenté, vous avez tous les outils pour réussir à vous lancer sur la vente en ligne grâce à une marketplace et en particulier avec les commerçants du Grand Hainaut. Alors, on arrive déjà à la fin de ce webinaire. Je vais laisser la place à quelques questions. Alors, j'ai 3 questions qui sont venues là, qui reviennent un peu régulièrement. La première, Fernand, alors on a répondu dans la présentation, mais peut-être que ça nécessite une petite clarification ou une confirmation. C'est sur la possibilité pour les commerçants de mettre en ligne un nombre de produits limités ou pas limités sur une place de marché comme les commerçants du Grand Hainaut. Alors peut-être que c'est pour Marion qui va reprendre la main pour répondre à cette question. Donc, y a-t-il une limitation de nombre de produits qu'on peut mettre en ligne sur les commerçants du Grand Hainaut? Ton micro, Marion. Pardon, ton micro.
Alors, pardon. Alors, oui, effectivement, il n'y a aucune limite pour mettre des produits en ligne. Certains commerçants en ont 10, d'autres 20, d'autres 600. Donc, vous n'avez vraiment aucune limite pour mettre des produits en ligne. C'est libre à vous. Voilà, et libre à vous de gérer le stock, comme Nicolas nous l'a dit tout à l'heure. Lui, il fait un stock spécialement pour le web, et il fait des exclus web, mais vous n'êtes pas... vous pouvez faire comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Très bien, c'est bien, c'est la liberté, et donc on peut mettre autant de produits qu'on veut et éventuellement avoir des stocks dédiés. Effectivement, c'est peut-être une bonne solution pour gérer la partie logistique. Alors, on va y venir justement à la logistique. C'est un problème, enfin en tout cas, c'est un sujet qui revient dans les échanges avec nos revues. Comment ça se passe sur la gestion de la logistique pour une plateforme locale comme les commerçants du Grand Hainaut? Alors, comment ça se passe? Vous avez deux solutions, voire trois solutions. Vous avez la première solution, c'est le click and collect, ce qu'on appelle le click and collect, c'est le retrait en magasin, c'est-à-dire que vos clients commandent en ligne et viennent chercher en magasin. Ça, c'est la solution la plus simple et la plus rentable, puisque c'est gratuit. Vous avez également la solution la livraison à domicile. Donc, il faut savoir qu'actuellement, c'est sur Valenciennes, Anzin, Marly, Saint-Saulve, les villes limitrophes à Valenciennes, c'est une livraison à partir de 10 euros d'achat. Et pour le Grand Hainaut, donc le Valenciennois, le Cambrésis, donc le Valenciennes, c'est les produits frais et les produits secs. Pour le Grand Hainaut, c'est-à-dire le Valenciennois, le Cambrésis et la Sambre-Avesnois, donc 350 communes. La livraison est gratuite à partir de 15 euros d'achat et uniquement sur les produits secs, pardon, pas les produits. Et ensuite, vous avez le Colissimo. Colissimo et Mondial Relais, évidemment. Ils sont toujours d'actualité. On peut livrer partout en France. Là, c'est livraison partout en France, exactement. Voilà. Avec très les bien. Conditions tarifaires de Colissimo et de Mondial Relais. Eh bien, merci Marion. De toute façon, nos auditeurs ont des questions particulières, ils reprendront contact avec vous directement. J'ai une troisième question qui est arrivée, alors peut-être plus à destination de Ludivine. On va revenir sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de remarques sur être présent sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais parfois on a des commentaires pas toujours très sympathiques, voire un petit peu rebondissement qui peut arriver. Comment on gère ça aujourd'hui sur la plateforme comme Facebook ou autre? Alors, c'est souvent ce qui fait peur aux entreprises. On se dit, voilà, j'ai un commentaire négatif, ça va plomber ma page. Et puis, voilà. Surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un internaute qui est mécontent, qui est insatisfait, il le dira volontiers sur Internet. Alors, vaut mieux peut-être avoir l'information sur ces réseaux sociaux qu'on pourra maîtriser plutôt que sur des forums où on n'a pas la main. Donc, il faut saisir finalement le commentaire négatif comme une opportunité d'avoir une solution individuelle au client et de proposer et de finalement montrer sa capacité à réagir et à trouver des solutions. Ça ne sert à rien de faire l'autruche, il faut vraiment répondre et puis finalement, ça peut-être vous faire ressortir des choses que vous n'aurez pas imaginées pour faire évoluer votre relation client. Et puis, il n'y a pas que les avis négatifs. Hein. Ces réseaux peuvent vous permettre également de faire ressortir des avis positifs. Et on sait qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'impact et beaucoup d'influence sur les comportements d'achat. Donc, même si le risque est d'avoir des commentaires négatifs, il faut quand même foncer et puis réagir et puis apporter des solutions, finalement. Merci, Ludivine. Alors, on arrive maintenant donc à la fin, à la toute fin de ce webinaire. Alors, je vous remercie d'abord toutes et tous de nous avoir suivis. Vous savez que toute la Chambre de commerce et d'industrie est mobilisée pour vous aider et vous préparer dans vos projets de développement grâce à un accompagnement personnalisé. Nous avons des dispositifs qui sont notamment financés par la région Hauts-de-France et les fonds européens qui s'appellent Booster TPE, selon plusieurs thématiques, concernent évidemment le numérique, les ressources humaines, la relation client, la performance commerciale et la gestion. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir des accompagnements entièrement pris en charge et financés. Ça s'adresse à toutes les entreprises de moins de 20 salariés. Donc, n'hésitez pas.
Et donc, je vous donne aussi rendez-vous donc pour un prochain webinaire qui aura lieu le 30 juin, la semaine prochaine, très bientôt, avec Johan Lebrun, expert à la serre numérique. Alors, on va changer de sujet. On va parler de la rentabilisation des process de fabrication, donc plus destiné aux process industriels. On est sur tous les créneaux. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à contacter Marion, Clotilde, pour toute information et avancer sur vos projets numériques. Merci à vous. Je vous donne donc rendez-vous au prochain numéro, le 30 juin, et passez une bonne journée. Au revoir.